ces rencontres, c'est faire un petit peu éclater les préjugés, c'est faire qu'on se parle et c'est faire surtout que l'on réussisse ensemble à essayer de construire ce monde plus sur un plan économique plus viable, mais plus viable avec des règles. La région Aquitaine s'intéresse au rôle des entreprises, d'abord parce que c'est sa compétence, et que sur le plan du développement, nous avons à la fois un défi qui est celui de la formation des personnes sur les territoires, pour qu'elles-mêmes créent leurs exploitations agricoles, leurs circuits de distribution, qu'on crée un monde économique qui produisent de la valeur. Finalement, on a pu faire se rencontrer des acteurs d'origine différente, notamment des entreprises et des ONG, et que ça a permis de faire tomber un certain nombre de préjugés des deux côtés de ces acteurs-là, et également de peut-être semer les graines pour une meilleure collaboration. Le monde de la solidarité internationale et le monde des entreprises ne se parlent pas forcément, ne se connaissent pas forcément. L'atelier que nous avons organisé ce matin dans le cadre des rencontres aquitaines de la coopération et de la solidarité internationale visait à faire émerger justement des synergies entre ces deux mondes. Je pense que les intérêts sont plutôt convergents. On voit bien que les entreprises ont du mal souvent à s'adapter à la réalité du terrain. Les entreprises et les ONG étaient plutôt cloisonnés, chacun dans son monde. À minima, ils s'ignoraient, à maxima, ils se faisaient la guerre. Mais aujourd'hui, les entreprises arrivent de plus en plus à intégrer les préoccupations des ONG, par exemple, dans leur stratégie de développement. La convergence n'est pas gagnée d'avance. Je pense qu'il est extrêmement important de bien identifier ce sur quoi on est capable de faire des convergences. Les acteurs qui interviennent sur le champ de la solidarité internationale ont des valeurs partagées, ont des buts poursuivis qui ne sont pas forcément exactement les mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, une entreprise, intervenir sur un projet d'ONG, ça va lui permettre, par exemple, de tester un produit, de voir s'il marche, et ensuite de pouvoir dire, montrer à d'autres acteurs et d'autres acheteurs qui sont plus riches que des ONG, de dire, vous voyez, j'ai un produit qui marche, vous allez pouvoir l'acheter. Oui, je pense qu'il y a des vraies synergies entre les ONG et les PME exportatrices. Ils vont travailler sur un même projet, parfois avec des difficultés de compréhension, souvent des questions de vocabulaire, ils ne parlent pas le même langage, mais finalement, ils ont des métiers qui sont complémentaires, et donc comme chacun apporte une compétence que l'autre n'a pas, finalement, ils arrivent à travailler ensemble. Je pense qu'il peut y avoir un travail commun à partir du moment où il y a une réelle volonté politique, c'est-à-dire y compris des acteurs décideurs dans la multinationale qui sont les actionnaires et la direction. On dialogue beaucoup avec les responsables du développement durable ou de la responsabilité sociale d'entreprise. L'avantage des ONG, c'est qu'elles ont la maîtrise du terrain, elles sont auprès des populations et les entreprises ont les moyens financiers de développer les localités. Donc il est très important pour ces deux acteurs de travailler de concert. Ce sont des gens qui sont animés par des motivations et bien entendu travailler dans des pays, être ouvert à ces pays fait qu'on est naturellement porté à essayer d'avoir des impacts positifs dès que c'est possible et de minimiser les impacts négatifs. Travailler ensemble, ça veut dire quoi? Ça veut dire un secteur privé beaucoup plus responsable qui peut employer ces personnes, qui peut leur offrir un cadre, des contrats, une sécurité de l'emploi. L'idée, c'est de travailler avec tous les acteurs de l'écosystème sur des problématiques relativement spécifiques. On en a retenu, on va dire, principalement quatre. Donc il y a l'éducation, la santé, l'énergie, l'agriculture. On est obligé de monter des pilotes expérimentaux assez ambitieux. Et finalement, quand vous voulez faire ça, vous devez mobiliser les différents acteurs de l'écosystème. Pour pouvoir répondre à des objectifs qui sont communs, à savoir créer du lien finalement entre des petits agriculteurs qui présentent une offre potentielle qui est là et un marché
qui souvent leur est interdit, duquel ils sont souvent exclus. Nous avons peut-être des méthodologies pour mobiliser les acteurs communautaires, mais ce n'est pas toujours que nous avons les ressources. C'est le cas du partenariat que nous avons aujourd'hui avec le groupe Orange. On a eu affaire à une politique de bailleurs qui pousse de plus en plus les opérateurs à aller chercher des cofinancements et on a vu une mutation de ces différentes sources de financement, à savoir les mécénats, les fonds publics, les dons privés. Des bénéfices sur des enjeux de développement durable. Tout ça est lié à des retombées économiques pour ces personnes. Un bénéfice produit, un bénéfice d'image. Au niveau de l'ONG, c'est une satisfaction morale. L'entreprise, elle aussi, a d'opportunités de parler de ces avancées au niveau des communautés-là et donc d'élargir en réalité son champ d'action. Les ONG tirent un bénéfice d'un point de vue peut-être partage de méthodologie et de points de vue différents. Sona Design a été contacté par ESF, donc Électriciens sans frontières, dans le cadre d'un projet d'électrification, d'éclairage. C'est le projet de Za'atari, le camp de réfugiés en Jordanie. Donc c'était une demande qui émanait du ministère des Affaires étrangères pour sécuriser des zones sensibles dans le camp. On leur a proposé une solution, c'était d'éclairer ces zones avec des mâts photovoltaïques autonomes. C'est un projet qui vise à renforcer les organisations professionnelles agricoles du Bénin sur la thématique des coopératives. On est intervenu pour faire de la formation sur le pilotage, la gouvernance, la stratégie des coopératives. Ensemble, nous travaillons sur un projet d'accès à l'eau. Nous, en tant que partenaires techniques et support technique aussi, sur les systèmes de pompage solaire. On avait réalisé des installations de pompage traditionnelles dans des villages de brousse. Et conscient du coût de fonctionnement trop élevé et puis de la nécessité de protéger l'environnement, on a décidé de passer le pompage en pompage solaire. C'est duplicable, que ce sont des expériences qui demandent une mobilisation importante des ressources humaines, des moyens financiers et du temps. Bien entendu, ils sont duplicables. Le côté éthique de faire un projet à vocation sociale aussi, de savoir que ce sera un projet qui sera, comment dire, viable et réussi et pérenne dans le temps. Pourquoi ? Parce que derrière, l'ONG aura fait un travail de terrain. Je pense que ces exemples sont duplicables. Pour nous, ça se concrétise comment ? C'est de proposer des prix bien inférieurs à ce type d'acteurs pour qu'ils puissent mettre en place des projets d'ampleur. Donc on continue à le faire, on le fait en Côte d'Ivoire, on le fait au Sénégal, on le fait aussi au Bénin, au Cameroun. Il peut y avoir une appréhension par rapport au fait de travailler avec des ONG. Seulement, je pense que les entreprises elles-mêmes ont aussi besoin d'être plus impliquées dans le développement social, parce qu'on leur reproche de plus en plus d'être trop centrées sur leurs propres objectifs de rentabilité. Or, l'entreprise, ça doit être aussi un acteur qui doit prendre en compte son environnement et qui doit donc aider au développement ici, mais aussi ailleurs. Et en Afrique, c'est ce que nous faisons. Peut-être parce que tous les acteurs n'ont pas l'information. Même pour des projets qui sont propres à nous, on décide de les associer à la réflexion dès le départ. La première raison, c'est le fossé entre ONG et entreprises, deux mondes qui ne s'entendent pas, qui ne se comprennent pas. Ce sont les opportunités, en fait. Quand vous travaillez avec un pays étranger, vous les rencontrez, vous leur dites ben, qu'est-ce que vous avez besoin, est-ce qu'on est dans les mêmes axes. En termes d'outils, chaque entreprise en fait développe un peu les outils qui correspondent à leurs besoins, les associations pareil, du coup les partenariats sont très diversifiés, ça peut être des instances de dialogue, ça peut être du mécénat. Les entreprises en règle générale
peuvent mettre et mettent parfois à disposition leurs cadres, leurs salariés, sur des projets de développement, pas simplement dans les pays en voie de développement, mais aussi chez nous pour l'économie sociale et solidaire. Donc je pense que c'est un système gagnant-gagnant. Puis on est en train d'aller aussi de plus en plus, je pense dans les années à venir, vers peut-être une intégration des partenariats entre des associations et des entreprises qui peuvent être amenées à construire en fait une structure juridique commune. Il y a des associations dont l'objet se prête plus au partenariat que d'autres. Une association qui travaille dans l'humanitaire ou l'urgence, par exemple, ou la solidarité, ou l'agriculture. Là, ça sera peut-être plus facile de développer des partenariats. Pour l'Afrique, c'est clair que c'est l'eau et l'électricité. À savoir travailler de plus en plus avec des entreprises qui développent des technologies innovantes. À partir du moment où il y a une entreprise qui est prête à passer le pas et le cap, il faut qu'elle aille voir des acteurs qui savent parler le langage en fait, des deux mondes pour les mettre en lien. Il y a un moment, un risque à prendre en se disant « Je pense que cet acteur, par rapport à ses compétences, par rapport à ses connaissances, par rapport à son intégration sur le marché et par rapport à la relation que j'ai avec, je pense que c'est la meilleure structure. » Je pense que c'est intéressant de rencontrer d'autres porteurs de projets, d'essayer de rencontrer les réseaux qui existent et de ne pas partir tout seul. Prenez conscience de la problématique de l'entreprise et pas simplement je vois mon problème et je vois l'entreprise comme un acteur de ce problème. Il faut vraiment avoir des relations de partenariat. Essayer de créer des outils communs. Il suffit pas d'être de bonne volonté, qu'est-ce que tu vas faire pour monter ton projet là? Vas-y, raconte-moi, je vais faire un peu l'expert. Vas-y, raconte-moi là, t'es là avec ta bonbonne, c'est bien bon, mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Oui, l'eau c'est important, c'est sûr. Ah si, hein? Ça y est, je sais, je converge. Oui, mais... Voilà. Ah, il converge bien. Est-ce que je converge bien? Oui, là? Il faut prendre à bras le corps les entreprises. Voilà. Ah, ça, je sens de la solidité, hein. C'est... T'as raison, faut les travailler au corps. Tu me reconnais avec mes couleurs? Bleu, vert, attends, c'est pas dans le bon sens, bleu, vert. Bleu, vert. Et puis surtout, il y a un truc qui va t'aider. Voilà. Ah! Ouh! Ah ben voilà! Ah, parce qu'on est là quand même pour ça, conseil régional. Aie confiance, crois en moi. Je t'appuierai pour tes projets.